Bonjour à toutes, comment il est? Toujours avec un grand plaisir et aussi contentement d'Ankia que m'y retrouvez à Téala pour parler de cuisine notre pays, cuisine La Réunion, recette traditionnelle aujourd'hui. On va faire des saucisses avec du brinjel grillé. On va faire nous 4 saucisses de porc ou de poulet, du sel, de l'ail. Si ça tu veux mettre, hein, les facultatifs, à moins que les bien épicés les saucisses, oignons, tomates, gingembre, enfin nous, du piment en poudre ou du piment vert, du thym et un gros aubergine d'1 kilo environ. Hein. Nous allons commencer par couper les saucisses. Nous allons commencer à mettre à bouillir plutôt les saucisses, coupées en rondelles comme Zotiva, là, sur l'image. Des saucisses, il faut prendre les saucisses bien parfumées, des saucisses traditionnelles. Et surtout, bien choisir le charcutier avec qui Zotis à prendre, hein, parce que des fois, il peut être traditionnel et être gâté aussi, des fois. Hein. Tout dépend comment Banaï fait, c'est quoi l'expérience du boug dans les affaires ou du forme. Donc, il va falloir nous des brinjels. On va faire griller à nous un gros brinjel d'1 kilo, un peu plus, comme ça là. Quand on a fini, fait griller le brinjel, nous on enlève toute la chair dedans. Nous réserve, mais réserve ça dans un plat. Les brinjels ont plusieurs qualités. Il faut prendre les brinjels traditionnels que nous avons là. C'est les gros brinjels, pas les brinjels que maintenant ils utilisent pour faire des beignets, les brinjels longues que nous avons. Les oignons, il va falloir nous deux bons oignons, il faut des tomates, du sel, de l'ail, comme on avait dit, bien écrasé, un petit morceau de gingembre si vous aime. Ça, l'est quand même pas mal. On va commencer par mettre un poêlon sur le feu ou une marmite sur le feu. Et là, on va faire de façon très très simple. M'avait envie de faire tout en même temps. Donc, sur un côté, il va mettre les saucisses à frire. On a tourné à l'huile. Les saucisses n'est pas obligé de trop fait frites, Podia, il devient en graton. Il faut saucisse, la couleur est rose, il faut les bien roses. Donc, moi, ça va faire du rose, mais fallu de façon à ce que les possibles de manger. Et puis, les pas en graton dans la bouche, là, plus rien, plus de goût du tout. Les saucisses nous ralaillent sur le côté, mais ajoute les oignons sur un côté. Alors les oignons, ce qu'il faut faire, c'est bien faire compoter. Là, il ne s'agit pas de faire griller les oignons, comme certains voudraient faire, hein, griller, touonner, faire griller, faire rougir les oignons. Mais il veut simplement que les oignons, ils compotent, ils deviennent un peu translucides, tout en gardant un petit peu de croquant. Les oignons, quand on les fait de cette façon-là, on a un petit goût sucré dedans, hein, toutes son bonne arômes, ils sortent bien. Alors, nous pousse à lui sur le côté, là, comme vous vois. Et moi, on ajoute des tomates. La tomate m'a pas ajouté un tas, hein, donc deux tomates, deux ou trois petites tomates bien mûres, les largement suffisants. En attendant que tout ça y vient, m'y ajoute le l'ail écrasé avec le sel et le gingembre. L'ail, elle n'est pas obligée de mettre dedans, hein, si les saucisses étaient bien faites. Hein. Et là, on a pris des saucisses avec des herbes dedans. Alors, on a du persil que vous allez mettre dedans, on va mettre des oignons verts à l'intérieur. C'est pas moi la fait, hein, c'est tradition que Banal a acheté dans une charcuterie, il voulait faire ça comme ça. Vous voulez tester, bah, il n'est pas mauvais. Hein, donc, vous voulez tester pour nous en même temps. Hein. Et après, si ça tu veux faire, là, pas de problème. Voilà, le lime nous mélange à lui avec les oignons. Comme ça, tu vois là sur l'image, les oignons commencent à devenir un peu translucides, fondre un petit peu dans la marmite. Voilà, il fait bien revenir comme qu'il faut. Et à côté, nous voit avec. Moi, j'utilise souvent le feu fort, moi. Hein, donc, enfin, un feu fort, pas fort pour faire brûler, mais un feu assez vif quand même. En attendant que les saucisses ils tournent à côté, l'essentiel, c'est de bien faire à lui. Hein, ou sinon, ça, si on a un marmite encore un peu plus grand, ce serait le top. Mais le problème, s'il nous fait un marmite un peu plus grand, il va falloir mettre un peu plus d'huile, sinon, ça sera un peu trop gras. Voilà, les tomates, comme tu vois là, comme il est là, mais il va ajouter un petit cuillerée à café de poudre de piment rouge. Hein. Si la pointe poudre de piment rouge, je trouve qu'il donne un bon goût et il donne la couleur aussi au plat. Tu peux mettre du piment rouge écrasé ou sinon du piment vert à l'intérieur. Maman voulu qu'ils sortent un petit peu rose les affaires. Et donc voilà. Et les tomates m'y mélange un petit peu avec les oignons compotés. Il faudrait ajouter un petit goutte de l'eau dedans. Faut pas laisser le brinjel tout le machin. Donc on va ajouter le brinjel juste après. M'y mélange tout avec bien comme qu'il faut. nous prend le temps, hein, le brinjel, il faut les bien griller. On peut faire ça avec le brinjel bouilli, mais il trouve que changer un petit peu, hein, pour l'instant, personnellement, pourquoi vu faire avec du brinjel grillé, brinjel grillé donne un bon goût quand même, hein. Des fois la sauce même, les meilleures que le bonne saucisse à l'intérieur. Voilà, bien tourné. Et puis, comme ça, tu vois, il sèche vite, hein, quand le feu les forme. M'y ajoute un petit peu de l'eau. Mais alors, comme dit, m'y ajoute un petit peu de l'eau, c'est à peine 3 à 4 cuillères à soupe de l'eau. Hein. Faut pas ajouter un demi-tasse ou sinon ça, un gros bol de l'eau dans là, fait un bouillon. Hein. Le but n'est pas là. Le but, c'est de faire à lui pas trop sec directement. À moins que tu veux manger lui sur des toasts, hein, bon, du pain, tu mettes dessus, tu manges tel que c'est comme ça, de ce moment-là, tu laisses comme ça. Et moi, comme il voulait manger lui avec du riz, donc, moi, la mettre à peu près 3 cuillerées à soupe de l'eau dedans pour donner un petit peu de sauce sans plus, hein, voilà. Une recette très simple, facile à faire, comme d'habitude, hein, recette dans la tradition réunionnaise. Avec ça, nous peut manger ça, avec un bon gazon de riz et aussi tel que c'est comme ça. Sinon ça, si tu veux mettre un curry-pois avec mettre, mais là il y en a déjà assez de féculents, il y en a déjà assez de protéines dedans, toutes les affaires, les complets. Voilà, recette très simple et facile à faire. Je remercie les autres d'avoir suivi ça. Je donne les autres rendez-vous la prochaine fois pour un nouveau recette dans la pure tradition réunionnaise.